Dans la plaine, les chevaux broutent l'herbe et boivent de l'eau. Quand ils sont contents, ils se frottent le cou l'un contre l'autre. Quand ils sont fâchés, ils se retournent et se lancent des ruades. Ils ne savent faire que cela. Lorsqu'on les eut subjugués par une pièce de bois et freinés par un frontal en forme de lune, les chevaux conçurent quelque chose de dissimulé et de louche. Ce fut alors qu'ils courbèrent leurs joues, brisèrent leurs brides, prirent le mort aux dents et se dégagèrent de leurs rêves. Ainsi, les chevaux devinrent rusés et méchants. Tel fut le crime du célèbre écuyer Paulo.